tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le défi de Sylvie, le tag printemps. Donc, c'est le deuxième. Donc, j'ai toujours pris mon tag comme ça de Action. Et dessus, j'ai collé un papier comme ça de ce bloc de Action. Voilà. Regarde l'attitude. On va faire... Oups là. Le... Oh, je ne sais pas chez vous, mais nous, il fait un temps exécrable. Là, on a eu de la pluie, de la grêle. Il fait noir, il fait froid, il y a du vent. Oh, du coup, j'ai ressorti le polaire. Parce que vraiment, il fait trop, trop froid. Donc, on va faire... Donc, j'ai collé mon papier dessus. J'ai redécoupé autour. J'ai ancré un peu les bords. Et on va venir faire notre trou et mettre notre œillet tout de suite, maintenant. Avant de faire une bêtise. Alors, je reste le premier, celui de la semaine dernière, je l'avais fait dans les teintes de rose. Eh bien, aujourd'hui, je reste dans le rose. Je ne sais pas, j'ai envie de rose. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ça, c'est nickel. Donc, j'ai envie de rose. Donc, on va mettre du rose. Alors, j'ai pris deux petits branchages comme ceci. Alors, je vais bien me mettre dans le champ cette fois-ci. Parce que je sais que souvent, je ne suis pas dans le champ. En plus, vous avez... On va essayer de changer ça. J'avais oublié. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez la lumière en pleine... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais bon. Ouais, je pense que si, c'est mieux que d'avoir le reflet de la lumière. Et peut-être on peut aller celle-ci. Ouais, il faut jongler dans cette pièce toute sombre. Il faut jongler avec les lumières. C'est un peu pénible. Alors, est-ce que vous allez y voir? Parce que si on n'y voit rien. Ah, ben on voit moins. On voit moins bien que celle-ci. Hein. Ouais, bon, écoutez, ce sera bon comme ça. Ça m'a l'air pas trop mal. Allez, on va coller deux petits feuillages blancs. Parce que la dernière fois, c'était rose et bleu. Et là, on va faire rose et blanc. Bon, j'ai tout préparé à l'avance. Comme ça. Voilà. Je vous les mets bien dans le champ. Donc, on va mettre deux petits feuillages comme ceci. J'espère que je sais bien placer où ils étaient à la... quand j'ai regardé. J'ai testé, mais bon. Ensuite, mes pistolets à colle. Voilà. Je vais venir coller ce petit chapeau que j'avais reçu de Lise et Eva. C'est elle qui l'avait fait. Regardez comme c'est beau. Ça fait un moment qu'elle me l'avait envoyé. Je ne l'avais pas utilisé. Et là, en rangeant... parce que j'ai fait beaucoup de rangements ces derniers temps. Bon, je n'ai pas de voix pour scraper quand j'étais malade. Et bien, j'ai fait beaucoup, beaucoup de rangements. Et j'ai retrouvé beaucoup, beaucoup de choses super belles. Voilà. Donc, je vais coller. Alors, il y avait un, une mousse 3D. Je l'ai enlevée parce que je le voulais à plat. Voilà. Donc, on va mettre notre chapeau. Hop. Ensuite, j'ai pris des petites fleurs comme ça, Prima. Que je vais venir... je vais venir d'abord coller celles-ci qui viennent d'Action. Parce qu'elles vont en dessous. Voilà. J'ai coupé un peu les tiges. Parce qu'elles étaient trop grandes et ça ne me plaisait pas.
On va coller les fleurs. Hop. On va coller celle-ci. En fait, c'était bête de coller celle-là. Non, c'est bon. Hop, je vais coller celle-ci. Voilà. Ensuite, j'ai retrouvé, pareil, en faisant du rangement. Oh, j'ai perdu une petite perle. Un petit papillon comme ceci. Ça doit être l'une d'entre vous qui me l'avait offert. C'est un peu métallique. Et à l'intérieur, c'est un fin tissu. Vous voyez, comme ceci. Et au milieu, une petite perle. Et je vais venir le coller ici. Je ne sais pas si ça fait vraiment le thème du printemps. Mais c'est des fleurs, des papillons. Donc, je pense que... ça passe quoi. Voilà, donc pour l'instant ça donne ceci. On va mettre le mot bonheur qu'on va venir mettre en 3D. On peut éteindre le pistolet à colle. Voilà, donc là on va prendre comme d'habitude. Au fur et à mesure, parce que l'autre jour j'ai perdu le cache de mon ciseau, j'ai dû le jeter. Bah, je suis un peu saoulée parce que moi j'aime bien. Ah, vous voyez là-dessus, il y avait un cache noir et je l'ai perdu. Et comme je n'aime pas abîmer mes affaires, ça me stresse un peu, mais c'est pas grave. Donc, on va couper un petit bout. Ici, hop. J'adore ces petites bandelettes de mousse 3D, hein, je vous le dis à chaque fois. Hop. Voilà, on va coller donc le mot bonheur. Tout ça, c'est des planches que j'avais imprimées et que voilà, quand j'ai été malade, je me suis amusée à tout découper, tout ranger. On va faire un petit peu, juste un petit chouïa d'ancrage autour. Voilà. Hop. On va venir le coller ici. Hop. On a déjà des petits papillons sur le papier, du coup. Je ne rajoute pas trop. Je voulais juste celui-ci en transparence. Je trouvais qu'il allait très bien. Voilà. Et maintenant, on va mettre quelques demi-perles. Ah, mais c'est des cœurs. J'avais cru que c'était des ronds. Bon, c'est pas grave. On va mettre des petites demi-perles blanches comme ça. Bah, c'est des cœurs, du coup. Je pensais vraiment que c'était des rondes. Mais vu le peu de luminosité ici... tu vois pas grand chose, mais c'est pas grave, on va mettre des cœurs. C'est mignon aussi. Pour ça, c'est pas possible, ça, je vais pas y arriver. Hop. Et je vais en mettre un ici dans le rose. Bon, c'est tout simple, hein, c'est que du collage comme d'habitude quoi. De toute façon avec moi il n'y a rien de compliqué, hein. Je suis pas, je vois même pas s'il est collé comme il faut. Ouais, voilà. Ben écoutez, on va mettre maintenant un petit bout de ficelle comme ceci. C'est pareil, j'ai trouvé ça qui traînait et bien on va l'utiliser. Ce que je ne fais... Ah, mais je suis bête. J'avais dit que j'utilisais les chutes et ben, ce papier, j'ai pas pris une chute. Mince. Bon, ben, c'est pas grave. Parce que j'utilise que les chutes et tout, voilà. Les demi-perles, c'est pareil. C'est tous les demi-perles qui sont entamées, que j'ai mis dans un paquet. Ça fait hyper longtemps. Et ben, j'utilise que celle-ci. Je n'ouvre pas de nouveaux paquets tant qu'elles ne sont pas finies. Voilà.
Et là, comme j'ai trié tous mes embellissements, eh bien, pareil, je vais utiliser mes embellissements. Il y a des choses que j'ai depuis des années que je n'ai jamais utilisées. Vous voyez, le petit chapeau de Lise et Eva, ça faisait très, très longtemps. Je pense qu'elle me l'a envoyé. Je ne sais plus quand c'était. Mais bah maintenant, j'utilise tout ce que j'ai. Oh, bah, j'en ai pris trop. Bon, bah, tant pis. C'est pas perdu. Vous voyez, je le mets dans la caisse. Hop, je crois que je les ai coupées un peu trop courtes. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Attendez, je vais m'en sortir ou pas? Hop. Voilà. Hop. J'y suis arrivée, youpi. Vous voyez, je tousse moins, mais j'ai toujours pas ma voix n'est toujours pas revenue à la normale. Donc, c'est pas encore complètement guéri cette affaire. Mais bon, ça va quand même mieux. Je tousse beaucoup moins. Donc ça, c'est bien. Allez, on va mettre une petite pointe de colle là-dessous. Que ça tienne. Parce que généralement ça se détend et je n'aime pas. Je n'aime pas. Voilà, comme ça, ça va bien tenir. Et la ficelle ne partira pas. Donc voilà mon petit tag thème printanier, même si c'est plus shabby que printanier, non? Je sais pas. Moi j'aime bien, je le trouve beau. Alors en ce moment, je suis auto-satisfaite de ce que je fais, donc voilà, dites-moi que c'est beau, ça me fera très plaisir. Et voilà, allez, on a assez plaisanté, raconté des bêtises. Écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.